congolaises, congolais. Les forces armées recrutent. Pour répondre à la mobilisation générale décrétée par le président de la République et commandant suprême, venez massivement vous enrôler au sein des FARDC pour défendre la patrie. Pour ce recrutement, les conditions exigées sont les suivantes. Être de nationalité congolaise, être âgé de 18 à 25 ans, être célibataire, sans enfant et volontaire, avoir une bonne moralité, avoir fait au moins 4 ans post-primaire, être physiquement et mentalement apte, être sans antécédent judiciaire. La force aérienne recrute les candidats pilotes et techniciens d'aviation et la force navale les candidats fusiliers marins et autres techniciens de la marine. Présentez-vous dans les états-majors des régions militaires, de la force aérienne, de la force navale, au bureau des territoires et partout où se trouvent les structures de l'armée pour se faire enrôler. Pour la ville province de Kinshasa, le recrutement se fait à la grande parade du camp lieutenant-colonel Kokolo et dans les maisons communales de Massina, Mongafula et Barumbo. La patrie a besoin de ses dignes filles et fils pour sa défense. Hâtez-vous. Boya ebele totombola bendele ya mboka na biso. Séance de travail à regrouper ce lundi 30 octobre 2023 autour du chef d'état-major général de FARDC, ses collègues de l'Afrique du Sud, du Malawi et de la Tanzanie. Ces travaux constituent la suite logique de la dernière réunion d'Addis Abeba et celle des experts militaires des quatre pays du 26 au 29 octobre 2023 à Kinshasa et à Goma. La situation sécuritaire dans la partie orientale de notre pays a été au centre de cette rencontre. Dans son adresse, le général d'armée Tshiwoe Songesa Christian, chef d'état-major général du FARDC, a rendu un hommage mérité à tous les chefs d'état de la SADC pour leurs contributions et leurs efforts pour la paix dans l'Est de la RDC et dans la sous-région. Monsieur le Président de la République démocratique du Congo, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour leur volonté manifeste de contribuer une fois de plus aux efforts de rétablissement de la paix et de la sécurité dans la sous-région et plus particulièrement en République démocratique du Congo, où sa partie est fait face à l'agression de l'armée rwandaise sous couvert des terroristes du M23. C'est dans ce cadre que je salue chaleureusement votre présence à Kinshasa et en profite pour vous souhaiter la bienvenue et un bon séjour pendant toute la durée des travaux. Le présent travaux font suite à la réunion à huis clos des chefs de défense des États qui ont souscrit à la contribution des troupes de la mission de la SADC en République démocratique du Congo, tenue le 3 octobre 2023 à Addis Abeba, en marge de la réunion du sous-comité inter-État de défense et sécurité de la SADC. C'est dans ce contexte que se sont tenus respectivement à Kinshasa et Goma du 26 au 29 octobre 2023 les travaux des experts militaires des quatre pays mentionnés. C'est dans ce contexte et pour ce faire, je tiens à adresser mes vifs remerciements aux experts qui ont travaillé sans relâche pour produire les rapports que nous allons examiner. Avant de transmettre nos conclusions à la réunion de ministres prévue le 31 octobre au 1er novembre 2023 à Kinshasa, pour clore mon propos, je voudrais vous réitérer mes remerciements et vous proposer la présidence de cette réunion par le plus ancien d'entre nous, que je crois être, sans me tromper, les chefs des forces de défense nationale de la République sud-africaine. La primeur des conclusions de ces assises est réservée au ministre des Défenses des quatre pays.
chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo, le général d'armée Christian Tshiwewe Songesha, est arrivé dans la base militaire de Kitona depuis ce lundi 23 octobre 2023 pour une mission de travail de 3 jours. Dans sa première journée, une causerie morale a été organisée dans la grande parade de la base militaire de Kitona. 6 points ont été à l'ordre du jour, à savoir la salutation du chef de l'État, le rappel de la mission des forces armées de la République démocratique du Congo, ainsi que notre devise, la discipline, l'apolitisme de l'armée, la loyauté au chef de l'État, ainsi que l'unité au sein des forces armées de la République démocratique du Congo. Suivons un extrait. Et Sengeli Bozala n'a bon mot corps. L'union fait la force. Même là-bas, unité, on y a déjà, dans mon salon, qu'on divise tes. Ceux qui ont divisé, c'est une faiblesse. Il y a unité dans nous. Chef Pléton. Pléton Wana, Batunyon Sowaza Kuna, Yayo, encadré Bango, Kokabolate, commandant compagnie, compagnie Waneza Yayo, commandant bataillon, Eza Yayo. Après la causerie morale à la grande parade de la base militaire de Kitona, le chef d'état-major général de forces armées de la République démocratique du Congo a visité une des cuisines à gaz au profit du recrut du centre d'instruction de Kitona. Pour chuter à la fin à la visite du bâtiment de l'état-major du centre d'instruction de Kitona, nouvellement réfectionné. Le général d'armée, Ami Sikumba Gabriel, inspecteur général des forces armées de la République démocratique du Congo, est en mission officielle de contrôle physique des effectifs des militaires d'actifs des forces armées de la République démocratique du Congo dans la deuxième zone de défense. Il est arrivé à Lubumbashi, siège de l'état-major de la deuxième zone de défense et de la 22e région militaire, le jeudi 26 octobre tard dans la soirée par l'aéroport international de Luano. À sa descente d'avion, il a été accueilli par le lieutenant général Massounzou Pacifique et le général de brigade Mwaku Bouzazou Daniel, respectivement commandant de la deuxième zone de défense et commandant de la 22e région militaire ad interim. On part des régions militaires qui constituent la première zone de défense après le mois de mars et jusqu'au mois de juillet. Après la première zone de défense, on avait entamé la troisième zone de défense. Aujourd'hui, c'est le tour de la deuxième zone de défense, c'est pourquoi le secrétaire général des forces armées est venu lancer officiellement le début de cette opération ici dans la deuxième zone de défense. Dans la deuxième zone de défense, on va continuer le contrôle des militaires de notre armée. Le vendredi 27 octobre 2023, il a conféré avec le commandant 2e zone de défense et le commandant 22e région militaire et membres de leurs états-majors et le commandant des unités et chefs de service. Ici, l'inspecteur général des forces armées de la République démocratique du Congo leur a signifié l'objet de la mission et a exhorté le commandant des unités au professionnalisme, à la loyauté, à remettre aux équipes de contrôleurs des listes fiables des effectifs des militaires physiquement présents à l'unité, afin d'éviter toute ambiguïté sur les effectifs des militaires pour une bonne organisation de notre armée. Il faut bannir la pratique honteuse des listes d'effectifs qui ternit notre image et celle de notre armée et nous affaiblit. Nous devons avoir honte d'être appelés généraux, colonels ou commandants apportant cette tenue avec cette pratique indigne et irresponsable. Mettons fin à cela, a-t-il martelé. Et le lancement officiel d'une opération de contrôle est donné. Ce contrôle est national, s'étend sur toute l'étendue du territoire national. Après Lubumbashi, gendarme et tour d'autres garnisons de la deuxième zone de défense. Le même vendredi, le général d'armée, Ami Sikumba Gabriel, inspecteur général des forces armées de la République démocratique du Congo, se rendu au gouvernorat provincial du Haut-Katanga pour présenter à la première autorité politico-administrative, le gouverneur Jacques Kiaboula Katwe, ses civilités. L'inspecteur général des forces armées de la République démocratique du Congo, général d'armée, Ami Sikumba Gabriel, est arrivé hier ici à Lubumbashi. Il est en mission de service, mission de contrôle physique des effectifs des militaires de forces armées dans le pays du Congo, dans la deuxième zone de défense. Et il est arrivé, il est venu passer, présenter ses civilités aux citoyens, à la première autorité administrative de la province, au gouverneur provincial. Dans les entretiens, ils se sont focalisés seulement sur la mission de l'inspecteur général dans la deuxième zone de défense.
passe. Le briefing opérationnel et sécuritaire a été au centre d'un échange ce lundi 30 octobre 2023, ici à Bounia, entre le lieutenant-général Bouyanka Chamadjoni et le lieutenant-général Manguma Chita Marcel, respectivement commandant des opérations militaires et gouverneur de l'Ituri, et les commandants de la 3e zone de défense. Le numéro 1 de la province de l'Ituri a présenté les tableaux sécuritaires marqués par une accalmie observée en séjour sur toute l'étendue de la province de l'Ituri. Pour le lieutenant-général Bouyanka Chamadjoni, c'est grâce aux approches militaires et non militaires que l'Ituri se stabilise de plus en plus. Le commandant de la 3e zone de défense a encouragé l'administration militaire de l'Ituri pour citer la prix. Ces échanges ont eu lieu après les honneurs militaires et passage des troupes en revue que les commandants de la 3e zone de défense, le lieutenant-général Manguma Chita Marcel, a eu dimanche à son arrivée au chef-lieu de la province de l'Ituri. C'est une mission de commandement et d'inspection des troupes qui l'amène dans cette partie orientale de la République démocratique du Congo. Et c'est après l'étape du Sud Kivu, les Grands et Petits Nord, dont Goma et Beni. C'est lundi 30 octobre 2023, le lieutenant-général Manguma Chita Marcel a tenu des briefings des commandements avec des grandes unités engagées sur les champs de bataille. Question de rehausser leur morale durant cette période de l'état des sièges. Il était ici question de mettre sur pied des méthodes drastiques contre les groupes réfracteurs au processus de paix pour ainsi offrir une paix durable à la population iturienne. La population devra collaborer étroitement avec les services de défense et de sécurité dans son ensemble et plus particulièrement avec son armée et dénoncer les velléités de ces groupes armés pour permettre à l'armée de sécuriser la population convenablement. Signalons que le patron de la 3e zone de défense arrive à Ituri pendant que les forces armées, à cette période de l'état des sièges, ont pacifié plusieurs zones, dont les territoires des Mahagi, Iromo, Njougou, jadis occupés par les forces négatives. À ces jours, plusieurs habitants regagnent progressivement leur milieu d'origine. La grande parade des camps sergents Kitili épuisait l'assaut par les policiers et les militaires de la garnison de Kisangani. Sont venus tous répondre à la parade mixte présidée par le commandant 31e région militaire et commandant place, le général-major Mujinga Mishtimote. C'est lundi 30 octobre 2023. Une adresse forte, l'émission de la police nationale congolaise et des forces armées de la République démocratique du Congo, la politisme des FARDC et des PNC et l'insécurité qui règne entre les Lingola et les Mbole. J'ai un extrait sur la politisme. Moi, Nangaï Azali, président sous-sectionnaire, y a parti Songolo. Kaposala, réunion et pas Nangaï. Pananangaï, y a Kendeki. Papesi Bangombongo, y a parti politique. Bayepo Nakokabola. Nathan Nandako, Ekosa le Maté. Toyo Moko. Aoutiko Pesa na Mama. Papolo, Latiango, Naokine Moussalate, na Latiango, Liboso Yandako, Epeki Sami, un service spécialisé, Ekolandela Yango. Concernant l'insécurité créée par le peuple Mbole et l'Angola, le commandant 31e région militaire a mis en garde tous les meneurs de cette tuerie. Et le FARDC est prêt à mettre hors d'état de nuire tous ces malfrats. Les Mbole et les Lingola ne sont pas des ennemis, mais ceux qui tuent a-t-il renchéri. Une occasion pour le commandant 31e région militaire a présenté le commissaire provincial de la PNC Tchopo, commissaire divisionnaire adjoint KBA et ses trois adjoints. Arrivé le 30 octobre 2022, une année au commandement de la 31e région. Trois activités étaient programmées dans l'agenda du commandant de la 3e zone de défense qui séjourne à Bounia, chef-lieu de la province de l'Ituri,
pour ce lundi 30 octobre 2023, à savoir les civilités à présenter à son Excellence, Monsieur le Gouverneur de province de l'Ituri, les points de situation du commandant secteur opérationnel et l'exposé du commandant 32e région militaire. Reçu par le gouverneur de la province, le lieutenant-général Louboya Kansha Madjoni, les commandants de la 3e zone de défense, le lieutenant-général Mbangu Masita Marcel, a eu droit à un détail sur l'état des lieux satisfaisant de l'ensemble de la province sur les aspects tant sécuritaires, militaires que politiques. Prenant la parole, le commandant de la 3e zone de défense a profité de l'opportunité lui offerte pour présenter ses sincères félicitations au gouverneur de la province de l'Ituri d'abord pour la confiance réitérée en sa personne par les commandants suprêmes des forces armées de la République démocratique du Congo, ensuite pour la paix restaurée dans la province et le calme qui y règne désormais avant de lui présenter ses civilités. En outre, le commandant 3e zone de défense note également que sa présence à Bounia est une donne qui devra changer la perception erronée de certains observateurs extérieurs sur la personne du gouverneur de la province de l'Ituri. Après avoir retracé sa mission dans toute la province, le commandant de la 3e zone de défense, le lieutenant-général Mbangu Masita Marcel, insiste sur la structuration des unités dans la province, la formation de troupes et les défis à relever sur les comportements indignes de certains officiers militaires. Enfin, une photo des familles était prise à 11h30 locale devant l'immeuble du gouvernorat pour immortaliser cette rencontre. Ce vers midi, heure de Bounia, que les commandants zone de défense étaient reçus à l'état-major du secteur opérationnel Ituri par les commandants secteur, le général-major Niembo Abdallah, où il a eu droit à un point de situation dans la salle des réunions du secteur, lui présenté par le T3 de cette grande unité, qui a pris fin à 14h30 après une visite guidée de l'immeuble en construction à l'état-major secteur sur fond propre. Enfin, les cortèges du commandant 3e zone de défense a pris la direction de l'état-major 32e région militaire, où il a assisté à un exposé lui présenté par les commandants 32e région adjoint en charge des opérations et renseignements, les généraux de brigade Bonzene Nzebo Jean-Roger, qui assume l'intérim du commandant de cette unité. Le chef de bureau de la MONUSCO au Grand Nord, M. Josiah Obat, a rencontré les commandants de la 3e zone de défense, le lieutenant-général Mbangu Masita Marcel, en mission de service à Beni. La rencontre a eu lieu dans la salle des réunions de l'hôtel Albertine. Deux points étaient inscrits à l'ordre du jour lors des échanges, à savoir la présentation auprès du commandant 3e zone de défense et du commandant secteur opérationnel Grand Nord, le général-major Kasongo Malouba, du nouveau commandant de la FIB à Beni, le général de brigade Matambo de nationalité malawite. Ensuite, la question de mutualisation des forces pour la traque des terroristes EDF encore actifs dans la région de Beni et qui continue à endeuiller plus d'une famille depuis lors. Notez que des initiatives prometteuses ont été mises en place pour l'évolution des opérations futures dans la zone, et ce, à la grande satisfaction du nouveau commandant FIB, qui s'est dit prêt à se mettre au travail de maintenant. Enfin, une photo des familles prise devant l'hôtel a immortalisé l'activité de cette journée. C'est avec ses honneurs militaires et passage des troupes en révis que le commandant de la 3e zone de défense des forces armées, le lieutenant-général Mbangu Masita Marcel, est arrivé à Bounia, chef-lieu de la province de l'Ituri, ce dimanche 29 octobre 2023, dans une mission de commandement et d'inspection des troupes après l'étape du site Kivu, les Grands et Petits Nord, à Goma et Beni, a dit le major Nestor Mavoudissa, coordonnateur SIFA 3e zone de défense. Le lieutenant général Mbangu Masita Marcel qui arrive à Bounia,
chef-lieu de la province de l'Ituri en mission d'instruction et de commandement. En dépit de ce que cette province est en état de siège, la situation exceptionnelle de cette province n'empêche pas la collaboration et l'échange d'expériences entre les autorités de l'état de siège et les commandants de la 3e zone de défense, d'autant plus que Bounia et Ituri dans son ensemble se trouvent être dans la zone de responsabilité du commandant de la 3e zone de défense. Comme il est dans ses habitudes, le lieutenant-général Mbangu Mashita Marcel tiendra des briefings des commandements avec les grandes unités engagées sur le champ de bataille, question de rehausser leur morale à cette période de l'état de siège. Ensuite, mettre sur pied de guerre des méthodes drastiques contre les groupes réfractaires au processus de paix et enfin d'offrir une paix durable à la population itourienne. C'est une obligation. La population devra collaborer étroitement avec les services de défense et de sécurité dans son ensemble et plus particulièrement avec son armée, puisque ce sont les forces armées de la République démocratique du Congo, la seule armée de notre nation. Donc la population devra étroitement collaborer et dénoncer les velléités de ces groupes armés pour permettre à l'armée de sécuriser la population convenablement. Signalons que le patron de la 3e zone de défense arrive en Ituri, où les forces armées, à cette période de l'état de siège, à sa tête, le lieutenant-général Luboya Kachamadjoni, ont pacifié plusieurs zones dans les territoires des Mahagi, Irumu, Djougou, jadis occupés par les forces négatives, où la population vit dans une accalmie caractérisée par le retour massif des habitants dans leurs lieux d'origine comme jamais auparavant. Congolaises, Congolais, les forces armées recrutent pour répondre à la mobilisation générale décrétée par le président de la République et commandant suprême. Venez massivement vous enrôler au sein des FARDC pour défendre la patrie. Pour ce recrutement, les conditions exigées sont les suivantes. Être de nationalité congolaise. Être âgé de 18 à 25 ans, être célibataire, sans enfant et volontaire, avoir une bonne moralité, avoir fait au moins 4 ans post-primaire, être physiquement et mentalement apte, être sans antécédent judiciaire. La force aérienne recrute les candidats pilotes et techniciens d'aviation et la force navale les candidats fusiliers marins et autres techniciens de la marine. Présentez-vous dans les états-majors des régions militaires, de la force aérienne, de la force navale, au bureau des territoires et partout où se trouvent les structures de l'armée pour se faire enrôler. Pour la ville province de Kinshasa, le recrutement se fait à la grande parade du camp lieutenant-colonel Kokolo et dans les maisons communales de Massina, Mongafula et Barumbo. La patrie a besoin de ses dignes filles et fils pour sa défense. Hâtez-vous. Boya Ebele, Totombola Bendele, Yamboka Nabiso.